within the mind that is there. هلا اهلا وسهلا فيكم بهالعرس الرائع اللي رح نكلل فيه يونان وتمارا احلى اكليل حب بالدنيا اكيد انتظرنا هاللقاء وهاللحظه من زمان وهلا هني صارت هاللحظه الحلوه نحن كثير فرحانين انه نكللكم باسم يسوع واسم الاب واسم الروح القدس اكيد ربنا يقدسكم nous sommes très heureux aujourd'hui bien sûr, de bénir l'union d'amour de Tamara et de Yonen. Et de tout notre cœur, nous allons procéder maintenant par la première partie. C'est, on va demander à Yonen et à Tamara d'allumer les bougies de l'autel. Ce sont les cierges de leur amour. Et on espère que ce cierge-là soit toujours enflammé de joie et d'amour. Voilà, super. Magnifique. Maintenant, chers frères et sœurs, nous allons commencer cette cérémonie par la première partie, c'est la liturgie de la parole. Alors, elle est centrée sur la parole de Dieu, bien sûr. Et puis, on va procéder pour la deuxième partie, c'est la cérémonie de la liturgie du sacrement. Alors, c'est le sérieux. On va voir, elle est composée de plusieurs étapes aussi. Vous avez les livrets sur vos sièges. Vous pouvez les utiliser de tout votre cœur. Et ça sera un petit souvenir aussi de ce mariage pour vous. Prenez-les avec vous. Et à chaque fois que vous voyez
se livrer, prier et penser à Tamara et à Yone. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Christ, ensemble prosternés devant ta majesté, nous te glorifions et te rendons grâce. Nous te demandons de veiller sur nous pour nous faire vivre dans ta paix. Bénis tes fidèles ici présents, tout spécialement Tamara et Younan, qu'ils soient protégés par ta croix glorieuse. Seigneur notre Dieu, gloire et louange à toi maintenant et à jamais. Amen. Veuillez vous asseoir, nous allons écouter le psaume 26. اقضي لي يا رب لأني بكمالي سلكت وعلى الرب توكلت بلا تقلقل لم أجلس مع ناس السوء ومع الماكرين لا أدخل أما أنا فبكمالي أسلك افدني وارحمني برخمو لنرفع عنا التسبيح والمجد والإكرام إلى العريس السماوي الذي خطب البيعة ابنة الشعوب بحبه وطهرها وقدسها بصليبه فجعلها له عروسا مجيدا ودعا الى عرسها الانبياء والرسل والشهداء والقديسين الصالح الذي له المجد والاكرام على هذا التكليل المبارك وكل ايام حياتنا الى الابد أيها الرب الإله الخالق والمطهن الكل يا من بيديك المقدستين أخذت ترابا من الأرض وجبلت آدم على صورة عظمتك الإلهية وكونت أمنا حواء بمراحمك الأزلية من ضلعه ثم قلت لهما إنميا واكثرا واملأ الأرض يا من باركت الآباء الأولين الأبرار والصديقين الذين تزوجوا بروح البرارة فتبارك نسلهم وكثر وكان منهم الأبرار والكهنة والملوك والأنبياء والرسل والشهداء القديسون نسألك الآن أيها الرب المحب البشر أن تبارك هذين العروسين تمارا ويونان ثبتهما في الرجاء والحب والإيمان ليكن زواجهما ميمونا وامنحهما ثمار البر وأبناء البركة أعضدهما واغنهما بكل الخيرات احفظهما في تقواك لسنين طويلة ولتحل عليهما يمينك وليحفظهما صليبك الحي والتحد بهما الملائكة القديسون فنرفع معهما المجد والشكر إليك وإلى ابنك الوحيد وإلى روحك الحي القدوس الآن وإلى الأبد آمين Si le vent des tentations s'élève, si tu heurtes le rocher des épreuves, si les flots de l'ambition t'entraînent,
tribulation se déchaîne. Regarde l'étoile, invoque Marie. Si tu la suis, tu ne crains le doute, quand la nuit du désespoir te recouvre, si devant la gravité de tes fautes, la pensée du jugement te tourmente, regarde l'étoile, invoque Marie. Si tu la suis, tu ne crains rien. Regarde l'étoile, invoque Marie. Si tu la suis, tu ne crains rien. Tu es béni, Seigneur Jésus-Christ, pour avoir rempli de joie les époux aux noces de Cana en Galilée. Accueille favorablement cet encens que nous t'offrons en l'honneur de Tamara et Younen. Bénis-les, ainsi que leurs témoins, et l'ensemble des invités, hommes, femmes, enfants, jeunes gens et jeunes filles, comme tu as béni les justes et leurs descendants. Parfumor avoun, aussi nous te glorifierons et te rendrons grâce comme à ton Père et à ton Esprit Saint, à jamais. Amen. Veuillez vous lever, nous allons chanter le Trisagion dans la langue de Christ de tout notre cœur, afin que notre Seigneur sanctifie nos âmes de tout son cœur. Tous ensemble. Kodishat Elohu, Kodishat Chayil Tonu, Kodishat Lomo Yudu. Shiachot Komen Bet Miten Etera. Seigneur Saint immortel, sanctifie nos pensées et purifie notre conscience, afin que nous te louions de louanges pures et écoutions tes saintes écritures. À toi la gloire à jamais. Amen. Rabbi sund salivi عروسين الإش بينين بالكهنوت الحبيبي باركهم ملء القلبين رب في الحقول والمدن الخصب ملء العينين بارك بالحب المغني عروسين الإش بينين.
واستجبنا كالأبرار. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Bénissez-moi, mon Père. Gloire au Seigneur de Saint Paul et des apôtres, et que la miséricorde divine se répande sur le lecteur, sur nos futurs mariés, sur cette assemblée et notre paroisse et ses fidèles à jamais. Amen. Un amour plus grand que l'amour. Frères, parmi les dons de Dieu, vous cherchez à obtenir ce qu'il y a de meilleur. Eh bien, je vais vous indiquer une voie supérieure à toutes les autres. J'aurais beau parler toutes les langues de la terre et du ciel. Si je n'ai pas la charité, s'il me manque l'amour, je suis qu'un cuivre qui résonne, une cymbale retentissante. J'aurais beau être prophète, avoir toute la science des mystères et toute la connaissance de Dieu, et toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, s'il me manque l'amour, je ne suis rien. J'aurais beau distribuer toute ma fortune aux affamés, j'aurais beau me faire brûler vif, s'il me manque l'amour, cela ne me sert à rien. L'amour prend patience, l'amour rend service, l'amour ne jalouse pas, il ne se vante pas, ne se gonfle pas d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche pas son intérêt. Il ne s'emporte pas, il ne s'entretient pas de rancune, il ne se réjouit pas de ce qui est mal, mais il trouve sa joie dans ce qui est vrai. Il supporte tout, il fait confiance en tout, il espère tout, il endure tout. L'amour ne passera jamais. Wabel qui essaye. Alléluia, alléluia. وبيت أبيك فيشتهي الملك جمالك Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Lecture du Saint Évangile de notre Seigneur Jésus-Christ selon Saint Jean, qui a annoncé la vie au monde. Écoutons la bonne nouvelle de la vie et du salut pour nos âmes. لأن الإنجيل المقدس يتلى الآن عليكم فاسمعوا ومجدوا واشكروا كلمة الله الحي. Saint Jean disait: Le troisième jour, il y a eu un mariage à Cana de Galilée. La mère de Jésus était là. Jésus aussi avait été invité au mariage avec ses disciples. Or, on manqua de vin. La mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont pas de vin. » Jésus lui répond, « Femme, que me veux-tu? Mon heure n'est pas encore arrivée, venue. »
Sa mère dit à ceux qui servaient, « Tout ce qu'il vous dira, faites-le. » Or, il y avait là 6 jarres de pierre pour les purifications rituelles des Juifs. Chacune contenait 2 à 3 mesures, c'est-à-dire environ 100 litres. Jésus dit à ceux qui servaient, « Remplissez d'eau les jarres. » Et ils les remplirent jusqu'au bord. Il leur dit, « Maintenant, puisez et portez-en au maître du repas. » Ils lui en portèrent. Et celui-ci goûta l'eau changée en vin. Il ne savait pas d'où venait ce vin, mais ceux qui servaient le savaient bien, eux qui avaient puisé l'eau. Alors, le maître du repas appelle le marié et lui dit, « Tout le monde sert le bon vin en premier, et lorsque les gens ont bien bu, emporte le moins bon. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à maintenant. » Tel fut le commencement des signes que Jésus accomplit. C'était à Cana de Galilée. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Acclamons la parole de Dieu. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Majdou fi samai majdihi, majdou fi sanai hubbihi, majdou malik al-muluk, majdou. Alléluia, 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 alléluia. Cher Tamara et Yonen, chères familles, Hani et Nassif, et chers amis et toutes les familles qui nous suivent aussi sur le net maintenant, sur notre page Facebook et les amis. Aujourd'hui, bien sûr, c'est un jour de bonheur pour moi, parce que Yonen et Tamara ont une grande place dans mon cœur aussi. Je les ai accompagnés de tout mon cœur. Bien sûr, notre amitié restera pour toujours. Et bien sûr, je ne sais pas ce que je veux dire, mais j'ai écrit, je vais lire ce que j'ai écrit en français. La veille de la fête de Pentecôte, demain, c'est l'effusion, la descente glorieuse du Saint-Esprit sur les apôtres. En ce mois de Marie, Mère de Dieu et notre douce Mère, et aujourd'hui en la fête de Sainte Rita, qui règne sur l'impossible, et défend les causes désespérées. Et c'est la fête de la maman de Tamara aujourd'hui. Et en ce moment vraiment plein de sens, plein de symbolisme, nous sommes rassemblés ici à Paris et à Notre-Dame du Liban et via Facebook et de partout dans le monde pour assister à la bénédiction du mariage de Yonen et Tamara. En ce moment de joie et d'espérance, ma parole révélera la spiritualité de l'amour de Yonen et Tamar, la spiritualité de la confiance. Ils ont choisi la confiance comme fondement de leur amour. Et bien sûr, ils ont choisi ces 2 lectures que nous avons bien écoutées pour leur cérémonie de mariage. Voilà. Cette spiritualité de confiance. Quand le vin des noces de Cana manqua, Marie était là, seule, à le repérer et à intercéder auprès de son fils, qu'elle la savait déjà, qu'il n'est pas uniquement son fils à elle, mais qu'il est le Christ et le Fils de Dieu, venu pour sauver le monde.
Elle voulait à tout prix que l'amour vulnérable de notre humanité soit sauvé par l'effusion de l'amour divin. En toute confiance, elle disait à ceux qui servaient, tout ce qu'il vous dira, faites-le. C'est une expression vraiment fondamentale de notre intercession à Marie. Cette confiance miraculeuse a transformé subitement la crise tragique de ses noces en un bonheur d'amour incomparable. Le vin miraculeux de Jésus a redonné un sens aux noces et a rendu éternel l'amour de ce couple inconnu. On ne sait pas les noms de ce couple, et c'est exprès dans l'Évangile. Parce qu'à chaque fois qu'on va célébrer les noces à l'Église, ça sera le couple lui-même qui représente ce couple inconnu. Aujourd'hui, ce couple inconnu des noces de Cana, c'est Tamara et Younès. Super, un super couple magnifique. Et bien sûr, ces noces n'auront pas jamais de fin. À la fin de ces noces, vous avez pu m'écouter, si vous avez écouté ce texte-là, à la fin des noces, on ne dit pas c'est terminé, on a arrangé les chaises, etc. et tout le monde est sorti, il est parti chez lui. Non, ces noces sont éternelles et ils continuent jusqu'aujourd'hui parce qu'ils ont bu du vin d'amour de Jésus-Christ, notre Seigneur. Le vin symbole du bonheur d'amour. Ainsi, nos nouveaux mariés désirent vivre leur union conjugale en mettant leur confiance totale entre les mains de Jésus et Marie. Et nous sommes sûrs et certains que cette force spirituelle de cette confiance, vécue quotidiennement dans la prière et la méditation de la parole de Dieu, leur accordera un amour plein de bonheur et de sérénité. Dans son hymne de l'amour, saint Paul insistait qu'un amour vrai supporte tout. Il fait confiance en tout. Il espère tout. Il endure tout. C'est dans la première lettre de Corinthiens, le chapitre 13. Il est célèbre, cet hymne d'amour. Certainement, cette spiritualité verticale entre la confiance en Dieu et en Marie se complète réellement en la confiance mutuelle horizontale entre les deux conjoints. Afin qu'elle se réalise effectivement, elle exige une transparence et une fidélité en toutes choses et partout. Il n'y a pas de confiance sans cette transparence et cette fidélité. Sainte Rita en est l'exemple. Malgré toutes les tribulations qu'elle a vécues avec son mari et ses deux enfants, elle a demeuré ferme dans la confiance verticale avec son Dieu et la confiance horizontale en son mari, qui s'est converti à la fin de sa vie, ainsi que ses deux enfants. Sainte Rita disait toujours, « Pour tous ceux qui croient en Dieu et ont confiance en lui, rien n'est impossible. Dans l'amour vrai, rien n'est impossible. Tout est possible. » Parfaitement. Ainsi, avec cette spiritualité de confiance bidimensionnelle, Rita a réussi parfaitement à vivre un amour salvifique pour son âme et les âmes des membres de sa famille. Grand est le mystère de l'amour fondé sur la confiance. Merci infiniment, Tamara et Rita, pour ce message précieux que vous nous avez accordé aujourd'hui dans votre mariage, où nous passons à un nouveau temps ecclésial, le temps du Saint-Esprit, le temps de la Pentecôte. Nous prions pour vous, Tamara et Younès, pour tous les couples qui se préparent encore au mariage, et pour toutes les familles ici présentes ou qui nous suivent sur le net, afin que le Saint-Esprit renouvelle vos cœurs et les comble d'un amour indéfectible, transparent, éternel et salvifique. Car, comme dit saint Paul dans son hymne magnifique que nous avons écouté, j'aurais beau être prophète,
avoir toute la science des mystères et toute la connaissance de Dieu. J'aurais beau avoir toute la foi jusqu'à transporter les montagnes. S'il me manque l'amour, je ne suis rien. L'amour baigné dans la confiance ne passera jamais. Oui, votre amour, Tamara Yone, ne passera jamais. Il n'est pas uniquement pour la vie, mais pour l'éternité. Amen. Inch'Allah, ikhwati, al-hub yalli bijma' Tamara Yone bihal-ruhaniyya tas-sa'a al-ra'iha yalli bidun ya'ishuha manna hayn na'ish ruhaniyya tas-sa'a bil-kubr ولكن هيدا دوفيز هيدي تحدي كبير نعيش الثقة المتبادلة بالقلب الحب الحب بلا ثقة بينكسر وبدنا نصلي من كل قلبنا بكرة عيد الروح القدس بكرة عيد العنصرة تينزل على يونان الروح القدس وعلى تمارا وعلى كل هالكوبليت اللي عم بتحضر الزواج وعلينا كلنا تنكون أمينين للحب لأنه من دون الحب ما بنسوى شيء نقطة من دون الحب ما بنسوى شيء والحب اللي غرقان بالثقة بيدوم للأبد هيدي خلاصة بالعرب نقطة هلا اخواتي رح نشوف مين بده يقول النوايا les intentions مين بده يقول النوايا la maman de Yone de Tamara quand vous ou bien le frère Yann, comme vous voulez. Viens, venez, venez, venez. لأجل أمان وسلام البيعة المقدسة وجميع بنيها إلى الرب في النظر كيريا ليسو لأجل هذا التكليل ليتبارك ويتقدس بحلول الروح القدس إلى الرب في النظر كيريا ليسو Pour que le Seigneur accorde aux deux époux, Tamara et Nen, les dons de son Esprit Saint, qui les confirmera dans la foi, l'espérance et l'amour, pour les faire vivre dans la concorde et la paix, prions le Seigneur. Pour que toutes les familles prennent à cœur le modèle de vie de la Sainte Famille de Nazareth, et soient ainsi, chaque jour, les fidèles témoins du Saint-Évangile, prions le Seigneur. Nous voici tous et tous réunis en ce beau jour, témoins de votre amour. Nous prions qu'il durera toujours et rayonnera autour de vous. يبهجني في عمق روحي
فما دمت فيا حاضرا تبقى أنت نبع فرحي اسرع في نفسي كلامك فأفهم سرك إلهي هان الآن أمامك اطبع وجهك على وجهي أي نشيد لك عندي فالكون امتلأ أناشيدا صمتي حبي هو نشيدي الحان قلبا جديدا الحان قلبا جديدا. Voilà, maintenant on va commencer la deuxième partie. J'invite les futurs mariés, les fiancés, se mettre devant l'autel du Seigneur, devant l'Évangile, et puis les témoins aussi à droite et à gauche. Super. Voilà. Dans la deuxième partie de cette cérémonie, il y a plusieurs étapes. La première étape, c'est l'échange des consentements. Voilà, Tamara et Yonen, ils n'ont pas de choix dans ce livret. Il n'y a que le oui, non ? Il n'y a que le oui. Alors, on va leur demander de tout notre cœur de dire ce oui solennel devant nous. Bien sûr, ils ont dit déjà oui entre eux, de tout leur cœur. Et bien sûr, on va leur poser cette question magnifique de ce mariage. Cher Yonen, voulez-vous que la servante de Dieu Tamara, ici présente, devienne votre épouse conformément aux enseignements de la Sainte Église? Oui, je le veux. Super. Maintenant, Tamara, chère Tamara, on n'a pas encore fini. Il faut voir Tamara qu'est-ce qu'elle va répondre. Voilà, n'applaudissez que lorsque je vous dis. Chère Tamara, voulez-vous que le serviteur de Dieu, Yonen, ici présent, devienne votre époux conformément aux enseignements de la Sainte Église? Oui, je le veux. Super. Puisque vous avez dit, alors, dis oui. Alors, mettez vos mains droites sur l'Évangile du Seigneur et proclamez votre alliance d'amour en présence de Dieu et de son Église. Nous qui sommes ici en présence de Dieu, devant ce saint autel, devant la croix et le saint évangile, en présence de l'Église et devant vous, chers pères, nous exprimons notre consentement et promettons d'y rester fidèles tout au long de notre vie. Nous supplions Dieu de nous secourir et de nous bénir afin que nous soyons fidèles à notre engagement. Père, nous vous demandons ainsi qu'à tous les participants de prier pour nous. Sommet de cette cérémonie de mariage, c'est la bénédiction du mariage. Après cette bénédiction, lorsque, bien sûr, on va dire Amen, il n'y a pas de retour en arrière. Khalas. Talaou. Afimajin. OK? Super. Alors maintenant, j'ai demandé à Tamara et Yonen de joindre leurs mains droites ensemble, signe de leur union d'amour, de les mettre sur l'Évangile, le fondement de notre amour. Et puis, je vais les
recouvrir avec l'étole du Seigneur qui symbolise l'autorité ou bien le pouvoir de la Sainte Trinité pour bénir leur mariage de tout mon cœur. Au nom de la Trinité Sainte, Père, Fils et Saint-Esprit, nous marquons du sceau divin ses époux et nous, par le pouvoir qui nous est conféré avec le secours de la Vierge Marie, Mère de Dieu, Notre-Dame du Liban, celui des prophètes, des apôtres, des martyrs et de tous les saints, nous bénissons le mariage de notre fils Younan avec notre fille Tamara, les mettant sous la protection de Dieu et de sa parole au nom de cette alliance qui a réuni le ciel et la terre en faisant coexister montagnes et collines, mers et continents. Nous prions pour qu'il n'y ait entre ces époux aucune séparation tout au long de leur vie et à jamais. Amen. Voilà, maintenant, Younan et Tamara sont devenus époux-épouses devant l'Église et pour l'Église. Voilà, et ils sont devenus, bien sûr, tous les deux, des pierres vivantes à l'intérieur de l'Église. Alors, il faut sentir cette appartenance profonde à l'Église. Maintenant, la troisième étape de la deuxième partie, c'est la bénédiction des anneaux, la bénédiction des alliances d'amour qui symbolise parfaitement la fidélité à l'amour. Et ils nous ont fait un problème au début parce qu'ils ont été oubliés, les pauvres. Ce n'est pas grave. L'important, ils sont là maintenant. Voilà, je vais demander à Younan de mettre sa main droite et à Tamara aussi. Non, comme ça. Je vais mettre l'alliance d'amour de Younan au creux de la main droite de Tamara et celle de Tamara au creux de la main de Younan. Et je vais demander, bien sûr, à Père Antoine de bénir. Voilà. Dieu créateur et maître de l'univers, toi qui par ta grâce as fait de l'anneau nuptial le symbole de la fidélité conjugale, protège-nous et bénis ces deux anneaux que nous remettons à tes deux serviteurs, Tamara et Younan, comme signe de leur union et de la protection de leur corps. Sanctifie-les, qu'ils soient comblés des richesses de ta grâce, pour qu'ils puissent dans la joie te glorifier et te rendre grâce, comme à ton Fils et à ton Esprit Saint, maintenant et à jamais. Amen. Amen. Maintenant, je demande à Younan et Tamara de mettre les alliances dans le doigt de la main gauche. Voilà, qui va commencer? Tamara. Ok, super. Voilà, amour, chacun. Maintenant, je demande à Tamara et Younan de mettre la main gauche sur l'Évangile. Et Père Jean-Marie, bien sûr, il va bénir les anneaux dans les mains de Younan et Tamara. يمين ربنا يسوع المسيح مع خاتم زواجكما والتفض عليكما بركة نعمته التي تغني جميع المحتاجين وليكن هذا الخاتم صورا لكما وعلامة الاتحاد والحب بينكما طوال أيام حياتكما يا ربنا وإلهنا لك المجد إلى الأبد Amen. Super. On va passer à la dernière étape de la deuxième partie, la liturgie du sacrement, et c'est le couronnement. Bien sûr, c'est un rituel oriental, bien sûr, n'existe plus dans l'Église occidentale, et c'est uniquement la grande signification, c'est que le bon Dieu va couronner Younan et Tamara par sa royauté
Ils vont devenir rois et reines, bien sûr, pour fonder à son image une famille magnifique. Et on va prier tout au long de ce rituel du couronnement pour Tamara et Younen, afin qu'ils aient une famille nombreuse, de 13, 14 enfants, je ne sais pas. Vous allez vous débrouiller avec ça. Vous êtes encore jeune, n'hésitez pas à fonder une famille nombreuse. Et puis, bien sûr, va vous demander que le bon Dieu vous accorde les trois ressources importantes pour une famille chrétienne. La première, les ressources matérielles, pour que le bon Dieu vous accorde, bien sûr, le bahbouha, on dit en arabe, voilà, et beaucoup de ressources matérielles, toute la richesse de ce monde. Et en second lieu, les ressources de la sagesse. Bien sûr, vous avez beaucoup de sagesse, vous avez hérité beaucoup de sagesse de vos parents et de votre pays, le Liban, et de la France aussi, plein de valeurs, plein de sagesse, et ça, ce n'est pas pour vous, cette sagesse. Il faut la transmettre à vos enfants. Et aussi que le bon Dieu vous accorde encore et encore beaucoup de ressources de la foi, bien sûr. Et vous êtes les premiers responsables à transmettre à vos enfants la foi chrétienne. C'est tout ce couronnement-là. C'est un couronnement pour votre paternité et maternité responsable devant Dieu et devant l'Église. C'est une grande responsabilité, surtout aujourd'hui, dans un monde déchristianisé, malheureusement. Voilà. Maintenant, je vais bénir les couronnes sur l'Évangile de Dieu, l'Évangile de l'amour. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et à jamais. Amen. Le Seigneur Dieu a recouvert la terre de fleurs de toutes les espèces. Il a orné les cieux d'astres lumineux en y plaçant le soleil, la lune et multitude d'étoiles. Il a entouré des mers de continents comme pour leur faire une couronne. Il a auréolé de sa grâce des rois, des prêtres, des prophètes, des apôtres, des martyrs et d'autres saints, que dans son abondante miséricorde, il vous mette sous sa protection et bénisse ses couronnes. Nous ne lui demandons par l'intercession de la Vierge Marie, Notre-Dame du Liban et de tous les saints. Amen. Maintenant, je demande à Père Jean-Marie, notre prêtre magnifique, alors de couronner l'époux. Le Seigneur te parle d'une couronne de justice et répand sur toi les dons de ton Saint-Esprit. Amen. Que le Seigneur Dieu qui a parlé des saints, Père d'une couronne de justice, et a auréolé de sa gloire des rois de l'ancienne alliance, se montre bienveillant vers toi, mon cher Younan, qu'il te prenne sous la protection de sa divine miséricorde, et quand tu es venu dans son église pour demander sa bénédiction et son secours, que le Seigneur t'accorde sa grâce miséricordieuse, te protège et te bénisse, afin que tu vives avec ton épouse Tamara dans le bonheur tous les jours de ta vie. Amen. Maintenant, on va couronner la reine de notre cérémonie, Tamara. Le Seigneur te parle d'une couronne et de justice et répand sur toi les dons de l'Esprit Saint. Amen. Que Dieu, qui a auréolé de sa grâce les saintes femmes, te bénisse, toi l'épouse, chère Tamara, et qu'il te protège, qu'il répande sa miséricorde sur toi, et qu'il te pare de la couronne de gloire, que tu sois dans la Sainte Église, une vigne bénie qui porte des fruits spirituels, que le Seigneur Dieu fasse qu'avec ton époux Younen, vous meniez une vie heureuse dans la paix et l'amour mutuel.
et qu'il te donne d'être la mère d'enfants bénis. Nous le lui demandons par l'intercession de la Vierge Marie et de tous les saints. Amen. Maintenant, c'est la bénédiction des témoins. Vous êtes les témoins, vous avez un rôle de témoigner de cet amour tout au long de votre vie. Et aussi, si vous pouvez accompagner ce couple, ils vous ont choisi pas pour un prestige, pour que vous soyez toujours à côté. Est-ce que vous êtes prêt à côté de ce magnifique couple, magnifique amour? On n'a pas le choix, hein? Super. Mais de tout votre cœur, avec un grand amour. Alors, pour cela, vous méritez, bien sûr, une bénédiction magnifique. Écoutez. Seigneur Dieu, roi de gloire, toi dont la couronne ne s'éternit pas, dont la puissance reste éternelle et dont le royaume demeure à jamais, comble de ta bénédiction les témoins de cette union d'amour, protège-les par ta croix glorieuse, assiste-les en toutes choses et rends-les dignes au jour du jugement d'être comptés parmi ceux qui iront à ta rencontre dans ton royaume céleste. Seigneur Dieu, à toi l'honneur et la gloire à jamais. Amen. Maintenant, c'est l'hymne du couronnement. Alors, je vais demander à Younen et Tamara de tourner vers l'assemblée avec un grand sourire, de faire une surprise. Voilà, tourner vers l'assemblée. Et maintenant, je vous demande de les applaudir, bien sûr. Alors, c'est le deuxième mariage de cette année. C'est le deuxième de cette année. Les deux couronnes sur les têtes de nos chers amoureux. Voilà, sinon on va refaire une révolution française, une deuxième révolution française. On n'a pas le temps, on vient de sortir de cette crise de Covid, ça nous suffit. Alors on va enlever les couronnes, mais ces couronnes restent bien sûr un symbole divin sur vos têtes comme paternité et maternité responsable. Voilà, et voilà, je demande à Père Jean-Marie d'enlever et prier pour notre cher Yona. Allahu allazi maskinuhu fis samawati wa sultanahu fil ardi huwa yubarikuka ayyuha al-arisuna wa yusiru jinaka min ta'biyatayn wal yakun baytuka hasinan falyubarikuka wal takun imra'atuka tamara kalimatan fi 'aynayn ومثل عمود النار داخل بيتك فتفرح بخيراتك جميع أيام حياتك وتتمتع بثمار أتعابك وينتصب بنوك أمامك كأرز لبنان الطيب الشذا وليوفر الله منك من المقتنيات ومن كل ما تنبته الأرض من خيرات فتفرج كربة من يدنون منك وتسلك في طريق الحق جميع أيام حياتك
وهنا وهناك ترفع إليه المجد والشكر إلى الأباء. آمين. L'impératoire va prier pour enlever la couronne de notre chère Tamar. الله الذي فرح الصديقين بثمار برهم وابهج الأبرار بأجيالهم وملأ البرايا بكل المحاسن هو يغنيك أيتها العروس تمارا بالأعمال الصالحة ويوطد فيك حقه فتلدين بنين يرضونه ويضيء مصباحك أمامه في يوم مجيئه وتكونين مع زوجك يونان والدين صالحين تدخران الخيرات والمسرات لأولادكما بصلوات والدة الله مريم وجميع القديسين. آمين. Maintenant, la bénédiction pour notre nouveau époux. Que Dieu, qui a envoyé son Fils unique, notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'est incarné à sauver l'humanité par sa croix, bénisse ses époux, Tamara et Younan, leurs témoins et leurs parents, qu'ils mettent cette assemblée sous la protection de sa croix glorieuse. Que les nouveaux époux soient fidèles à l'amour qui les unit. C'est ainsi qu'ils parviendront aux portes du salut dans l'éternité. Amen. Veuillez vous lever pour la bénédiction finale. Que le Très-Haut qui trône dans les cieux vous accompagne, qu'il soit le gardien de vos âmes et de vos corps. Qu'il soit votre rempart et votre salut pendant toute votre vie. Recevez la bénédiction de la Trinité Sainte, Père, Fils et Saint-Esprit, le Dieu unique, à lui l'honneur et la gloire, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Voilà, maintenant, on a fini, voilà, mais ce n'est pas la fin. Le mariage, c'est un début, bien sûr, d'amour, etc. هلا اخواتي بدنا نقول لهم مبروك من كل قلبنا تيتبارك واحد اثنين ثلاثه سوبر هلا بدنا نطلب من العروسين يمضوا السجل هالسي دي اي هيدا السجل بده يمضوا سي دي اي هلا العروسين بالتيموان ils vont signer un CDI, c'est le contrat d'amour pour l'infini. Voilà, venez avec moi, s'il vous plaît. Voilà. بدهم يمضوا السجل الرائع. تفضلوا خليكم محلكم بس لانه في صوره سبيسيال ما ناخذها انتم محلكم بدنا نتصور كلنا هيك خليكم مثل ما انتم ما معنا وقت كثير وبدنا نسرع بقى هلا بيمضوا على السجل من كل قلبهم ولدتما معا وتظلان معا حتى في سكون تذكرات الله تذكرات الله ومعا حين تبددكما أجنحة أجنحة الموت البيضاء
ولدتما معا وتظلاني معا حتى في سكوني تذكرت الله تذكرت الله ومعا حين تبددكما أجنحة الموت البيضاء أجنحة الموت البيضاء كونا فرحين غني يا فرحين إنما اتركا بينكما بعد فصوحات لتركس فيها رياح السماوات رياح السماوات ولدتما معا وتظلان معا حتى في سكون تذكرت الله تذكرت الله ومعا حين تبددكما أجنحة الموت البيضاء أجنحة du groupe d'ici, essayez d'être heureux, hein. On va dire mabrouk à la famille Hani aussi, à Roger, Rita aussi, à Wadad et Antoine, mabrouk à la famille Kwon, à Nemi Berikon, à Teskon. Vous êtes un couple, vous êtes de la piscine, et à tout, on a été ferjou, venez tout venir, ici. Hey, les enfants, venez, venez debout, devant les mariés. Super. Ainsi, vous allez les encourager à avoir beaucoup d'enfants demain. C'est bon? Super. Vous êtes prêts? Yalla. Ainsi, avec les frères aussi, yalla. On est tous dans le cadre comme ça? Ma'koulissamawa. تنشد مجدك مع كل سحابة تنشر لطفك مع كل النيرات ترفع صبحك مع كل المخلوقات تهتف إلى معظم اسمك في الأرض كلها إلهي يا مجملك معظم اسمك في الأرض كلها في السهول والجبال مع كل الرياح والأعلى التلال
ما همسة الناس ونغمة الشلال وطهري الياسمين مع زهر البساتين سهتف بالله يا ما أجملك ما أعظم اسمك في الأرض كلها إلهي يا ما أجملك ما أعظم اسمك ما أبهى في الخلاء كلك Avec les témoins, uniquement les témoins. مع مياه البحار وامتداد المحيط مع خرير الأنهار وانسكاب الينابيع مع كرم الأمطار والثلج والجليد وتلاهي بالنار يلا اوكي سهتف إلهي يا ما أجملك ما أعظم اسمك في الأرض كلها إلهي يا ما أجملك ما أعظم اسمك ما أبهى في خلائقك Venez chez moi, famille Hani, mettez-vous là. Alors, la famille Nassif, avec les enfants. Super. Devant, devant les mariés. Les enfants devant les mariés, comme ça. Vous allez donner la place à la maman. مع عصفور الجنائن يغني للسماء مع كل إنسان يشع بالرجاء بصرخة حنان سهتفوا إلهي يا مجملك معظم اسمك في الأرض كلها إلهي يا ما أجملك معظم اسمك ما أبهى في خلائقك Un sourire exceptionnel, super. Alors les deux familles, Hani et Nassif, voilà, ensemble, et on termine. Les deux familles ensemble, les deux familles, voilà. Les enfants devant. Les enfants, super. يسوع أنت إلهي حبك شافي الوحيد أنت حبيب نفسي أبدا يسوع أنت من يسوع أنت إلهي
حبك شافي الوحيد يلا انت سوري فان سامبلون كو فوز ات تري هورو انت حبيب نفسي ابدا يسوع انت من نوري اسجد امامك يا الهي اعترف بك ملكي يلا هي حياتي في يديك افعل يلا ما تريد اسجد امامك يا الهي اعترف بك ملكي ها هي حياتي في يديك افعل بها ما تريد يسوع انت الهي Super. Ah, tu parles la bénisse, je suis en train. Un sourire, super. Yala. S'il vous plaît, vous pouvez démarrer pour le château. Et on va prendre beaucoup de photos dans le château là-bas. Voilà. Et on va laisser uniquement les deux nouveaux mariés. Encore le mariage. Yala, yala. Yala, voilà. Yala. اسمك يسوع خلاصي أردده في كل حين تنحني لاسمك كل ركبة ويعترف كل لسان اسمك يسوع خلاصي أردده في كل حين يسوع أنت إلهي حبك شفي الوحيد أنت حبيب نفسي أبدا يسوع أنت من نوري يسوع أنت إلهي حبك شافي الوحيد أنت حبيب نفسي أبدا يسوع أنت من أريد يسوع أنت من شالهوب اي مارسيل يلا essayez de vraiment bouger pour aller au château s'il vous plaît Un, deux, trois, souris.
encore une photo. Eli, Eli, allô. Yalla, ta'a. Yalla, 1, 2, 1, 2. Dans le château, restez ici pour prendre une photo avec les mariés. Pour tous ceux et celles qui ne participent pas à la haut. Écoutez les mishtalin à la château, puis je vais savoir Roman Arousin. Yalla, t'as la fille à cheval. Un bisou plein d'amour. ايوه خلاص يا عمي خلاص ركونا على تجوز ولا ايه يلا ركي على تجوز اوكي سوبر يلا شو اذا بتريدوا اللي مش طالع على الشاتو يجي يتصور مع العروس والعريس Ceux qui ne participent pas à la réception au château, avant de. Parler avec ceux qui nous suivent. C'est pas grave. Alors, il faut dire au revoir. Alors, on va aller couper.